cendrier vendu au prix de 100 euros. Moi, je l'ai acheté via Sephora et à ce moment-là, j'avais moins 25% de réduction, donc je ne l'ai payé que 75 euros. Je connais la marque Clinique et je connais la qualité de leurs produits. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je peux rien redire là-dessus. Les produits Clinique sont vraiment de très bonne qualité. Du coup, j'étais tout excitée et j'ai reçu ça, donc une boîte qui comme ça est à l'effigie de la marque, hein, assez sobre avec quelques petits dessins de Noël, mais elle n'est pas plus grande que ça. Voilà. J'ai cru au début qu'il s'agissait, vous savez, des calendriers DIY, donc vous recevez les boîtes et vous les positionnez de manière à ce que ça fasse un sapin par exemple, mais non, c'est tout bonnement le calendrier que vous ouvrez donc comme ceci. Attendez, je vais y arriver. Et voici à quoi ressemble l'intérieur. Pour 100 euros, je pense qu'ils auraient quand même pu faire un effort en termes de design, parce que vraiment pour le coup, que ce soit 0UP ou 0UT, là comme ça, même si je connais la qualité de leurs produits, je suis déçue, tout simplement. Mais comme il ne faut pas juger un livre à sa couverture, j'avais envie de vivre l'expérience de la découverte des cases avec vous en direct. C'est pour cela que je l'ouvre en vidéo et que j'aurai pas de calendrier à ouvrir pour décembre, mais c'est pas grave, j'en ai ouvert 8 quand même depuis le début de cette série. Maintenant que ça c'est dit, passons à la case numéro 1. Alors, en case numéro 1, nous avons un savon visage liquide doux pour peau sèche à mixte de la gamme All About Clean. Nous avons un produit qui fait 30 ml, ce qui est quand même une taille raisonnable, standard dans les calendriers de l'Avent. Et bon, ça reste un savon pour le visage, donc c'est pas quelque chose qu'on utilise en grande quantité. C'est un produit que je n'ai jamais testé, donc je suis plutôt contente. C'est une bonne première case, et pour l'instant, ce premier format est somme toute classique. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre quelques secondes pour apprécier ce magnifique pull que j'ai reçu aujourd'hui. Mon cousin m'avait la surprise de me l'envoyer. Il s'agit d'un pull de Noël à l'effigie du Stade Toulousain. Désolée s'il y a des rochelets, je supporte le Stade Toulousain, mais il est vraiment trop beau et j'ai décidé de le mettre pour faire honneur à mon équipe et surtout pour en profiter et redire un grand merci à mon cousin qui peut-être passera. Nous avons une lotion exfoliante matin et soir pour peau sèche à mixte. Alors c'est la numéro 2, je suppose que ça fait partie d'une gamme de soins. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire par lotion exfoliante parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de résidus à l'intérieur. Néanmoins, on a un produit qui fait 60 ml, donc c'est une très très bonne taille. Encore une fois, les lotions exfoliantes, on en met sur un coton et on vient le passer sur le visage. Donc ce produit peut facilement vous durer un mois ou plus. Je vais juste voir s'il y a une odeur particulière. Oh, ça sent comme le dissolvant, mais pas aussi fort. De plus en plus, qu'est-ce qu'il y a dedans? 100% sans parfum ajouté, je suppose. Alors attendez, il y a marqué: cet exfoliant doux et non desséchant débarrasse la peau des cellules mortes pour révéler une peau douce et éclatante. Appliqué 2 à 3, 2 fois par jour, à l'aide d'un coton sur le visage et le cou.
Ça sent comme du dissolvant. Mais pas aussi fort, vous savez, ça sent pas le... J'ai oublié comment ça s'appelait. Le truc qui a acétone, ça sent pas... Ça sent légèrement l'acétone, mais pas aussi fort que du dissolvant. Bon, c'est pas incroyable comme odeur. Mais on a quand même un très bon format, encore une fois. C'était un peu la crainte que j'avais, parce que j'avais entendu dire que les formats dans les calendriers de l'Avent, que ce soit ou autre, était petit pour le prix. Pour l'instant, en termes de format, j'avoue ne rien avoir. J'ai rien à reprocher à la marque. Alors, en case numéro 3, oh, nous avons un stylo dessin. Stylo dessin des yeux intenses. Je pense que c'est un crayon Kohl, ouais, un crayon noir. J'avoue ne jamais avoir utiliser la gamme de gamme maquillage chez Clinique. J'ai déjà eu leur crème pour les yeux, la fameuse, ma crème préférée, 72 heures auto-hydratante, quoique maintenant elle s'appelle 100 heures auto-hydratante. Leur baume démaquillant est incroyable. Je l'avais reçu en petit format l'année dernière dans le calendrier de l'Avent à Sauce et je l'ai racheté en gros pot et il m'a duré plus de 6 mois. J'ai du mal avec les produits biphasés parce que j'ai l'impression qu'ils laissent toujours un fini gras sur la peau que je n'apprécie pas particulièrement. Avec le baume démaquillant, quand vous le rincez, ça devient une sorte de lait et ça laisse la peau nettoyée. Néanmoins, je pense que je tenterai l'expérience pour tester un autre produit de cette gamme-là. J'espère quand même qu'ils nous ont remis le baume démaquillant parce qu'il est vraiment, vraiment trop bien. Mais encore une fois, pour l'instant, j'ai en termes de taille des produits, c'était un peu ma crainte numéro une parce que dépenser 100 euros dans un calendrier dont je trouve l'esthétique ratée, mais qu'en plus je qu'on reçoive que des échantillons, même si je l'ai payé 75 euros, je me mets à la place de quelqu'un qui l'a payé 100 euros.
Ça n'a pas d'odeur. Je sais pas, en termes de format, je suis pas sûre de ce que j'en pense, mais la couleur est vraiment jolie. C'est un beige, un peu corail nacré. Et puis c'est un gloss, donc c'est pas forcément coloré. Non, c'est joli, c'est chouette. Le format est pratique à emporter, mais c'est pas non plus incroyable pour un calendrier de l'Avent, quoi. En caisse numéro 10, nous avons l'huile, un peu le gras. Je sais que c'est pas.
si vous en mettez dedans, j'ai jamais eu ce souci personnellement. Et ensuite, vous venez rincer votre visage et il n'y a plus de maquillage. C'est rapide, c'est agréable à utiliser. Si tant est que ça ne vous dérange pas de le faire à la main en 5 temps, mais c'est pour moi l'un des meilleurs produits démaquillants que j'ai essayé. Ça n'assèche pas la peau comme certaines eaux micellaires peuvent le faire. J'ai testé les huiles. C'est pas mon truc non plus. Franchement, c'est l'un des rares produits de chez Clinique que je rachète à chaque fois parce que selon moi, son efficacité n'est plus approuvée. Donc si vous avez l'occasion de tester ce produit, le baume démaquillant, foncez, allez-y. Je pense que, alors au choix, ils doivent avoir des gammes, vous savez, étape 1, étape 2, étape 3, 4, 5, j'en sais rien. Et alors oui, ils nous ont un peu répartis à la va-vite le 1, 2, 3, ou alors ils nous ont mis des produits, des gammes 1, 2, 3, qui peuvent s'utiliser seuls. En tout cas, bah, on a une crème du coup pour le visage. Sèche.
toucher votre rouge à lèvres toutes les 3 heures. Je trouve que c'est un bon format pour tester. Et il est vraiment très beau. Il est nacré. C'est une très très belle couleur pour le coup. J'ai hâte de la tester. Ça, c'est un peu la même couleur que mes ongles. C'est pas fait exprès, je vous promets. Mais en tout cas, c'est très joli. J'ai vraiment hâte de tester ça. Sérum correcteur anti-rides, mais c'est que... Attendez, il y a un truc qui...
C'est vraiment trop petit. C'est incroyable, ça fait 7 ml, ça en fait 5. Et un truc qui cloche dans ce. Là, on a 10 ml. Enfin, pour moi, ça, c'est une deux utilisations. Vraiment maximum, quoi. Donc, c'est un peu compliqué pour se faire un avis sur le produit quand on le reçoit en si petite quantité. Là, pour le coup, je suis un peu déçue du format. Ça aurait été une crème pour les yeux. Encore une fois, vous en mettez qu'autour des yeux. Vous avez la possibilité de faire une bonne semaine, voire plus d'utilisation. Là, pour un masque de nuit, je trouve ça beaucoup trop petit. Alors, en 15, numéro 20, donc on a de nouveau la gamme, pardon, All About Clean. Et c'est la gelée nettoyante plus exfoliante 2 en 1, anti-pollution. On a un format de 30 ml. Une peau 2 fois mieux nettoyée. La formule douce de la gelée nettoyante à l'acide salicylique. J'ai hâte de voir. Ça me fait un peu penser à la crème commande quotidienne. Enfin, comment ils appellent ça? Ouais, crème commande quotidienne. Ça, j'ai hâte de tester vraiment. Moi, je suis une partisane du. Vous savez, du savon pour le visage, quoi. Depuis quelques mois, j'utilise celui de La Roche-Posay. Il n'y avait qu'un énorme tube, donc j'en vois pas le bout. Mais bon, pour tester et pour des voyages, le format est parfait. Ce qui me laisse encore plus dubitatif sur ce masque hydratant de nuit. Format Riki, quoi. Alors là, non. C'est un roller coaster ce calendrier, vraiment, quoi. En case numéro 21, on a de la gamme Moisture Surge. Donc, la même gamme que celui-ci. Le concentré yeux hydro-réimprégnant 96 heures. Et on a un format de 5 ml. Comment on peut passer à un sérum pour les yeux de 10 ml à un petit pot comme ça de crème pour les yeux à ça? Encore une fois, c'est un produit pour les yeux, donc vous en mettez pas la dose, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais il y a certains formats de produits, j'avoue que je ne comprends pas. Ça me dépasse. En tout cas, je suis quand même contente de pouvoir utiliser ces produits-là de cette gamme-là. C'est la même chose. Honnêtement, si vous avez jamais testé ce produit, allez-y, faites-moi confiance. C'est tellement agréable sur la peau, vraiment. Imaginez sur le visage, c'est réhydratant, c'est doux. Ça laisse un petit aspect velours. Vous pouvez vous maquiller par-dessus. Ça ne détériore pas. Non. Enfin, ça fait. Ça ne modifie pas la qualité ou la finition de votre fond de teint. Elle est incroyable, cette crème. Et on a un format de 30 ml. J'avoue que je l'attendais en petit pot. Mais c'est tout aussi bien sans ce format-là. C'est avec le baume nettoyant
Ça, je suis quand même assez curieuse. Faudrait que je me renseigne pourquoi interrupteur. Mais du coup, je pense que c'est un soin. Est-ce que je suis contente d'avoir eu une réduction de moins 25% pour payer ce calendrier? Oui, parce que si j'avais vraiment payé 100 €, j'aurais été terriblement déçue. Déjà, le design du calendrier pour moi, ok, Clinique, c'est quand même une marque sobre, mais bordel, c'est Noël, enfin, faites un truc quoi, faites un petit effort, ne vendez pas un calendrier à 100 € où c'est juste une boîte qui s'ouvre comme ça, en carton mou, même pas en carton solide. Et juste les boîtes couchées réparties comme ça. Pour 100 €, je pense que le design aurait quand même pu être revu. Également, pour 100 €, il y a certains formats pour moi qui ne vont pas du tout. Notamment ce masque de nuit, quoi, qui fait 7 000.
masque de nuit, c'est pas comme une crème contour des yeux où on en applique vraiment une fine couche. Un masque de nuit, on vient le mettre au niveau du front, du visage, on le descend même au niveau du cou. C'est toujours important d'hydrater son cou. Avec ça, c'est pas possible. J'aime la diversité, j'aime le fait qu'on ait du maquillage, même si ces produits sont mignons. J'adore les petits produits comme ça. Ça aurait pas été du luxe de les faire un peu plus grands quand même. Voilà. Surtout s'ils veulent que les clients testent leur gamme maquillage, qui je pense n'est pas forcément une gamme qui est forcément achetée chez eux. Bien qu'il y ait des personnes qui se maquillent sûrement avec des produits cliniques. Clinique personnellement est plus, enfin selon moi, est plus connue pour ses produits, pour le visage. Voilà. Je trouve ça sympa qu'ils aient mis un petit pinceau et qu'il y ait un blush. Ce sont des produits qui vont ensemble. Le mascara est plus que bienvenu. Le crayon noir, c'est un basique. Si ce calendrier avait été vendu à 75 €, sans réduction, sans rien, bon, j'excuserais les petits formats, bien que pour moi le design est loupé. Mais là, c'est quand même un calendrier qui est vendu à 100 €. Quand on fait la comparaison entre celui de chez ASOS que j'ai payé 97 €, 99, je me souviens plus, donc moins de 100 €, et celui-là qui est à 100 €. Je suis désolée, mais le calendrier de l'avant ASOS mange largement en termes de quantité de produits, de design, d'originalité, le calendrier de l'avant Clinique. Maintenant, j'ai conscience que ce sont des produits qui sont relativement onéreux et que dans, je suppose, dans l'optique de pouvoir offrir des formats généreux, ils ont dû faire l'impasse sur, par exemple, un design un peu plus élaboré. Ok. Mais je suis contente de l'avoir ouvert en caméra pour être honnête avec vous et pas de l'avoir gardé pour le mois de décembre. Encore une fois, bien que les produits soient vraiment bien, bah j'ai pas eu cet effet waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, on parle quand même de Clinique, qui est une marque de renom. Ils ont forcément des budgets assez conséquents. Ils auraient la possibilité de vraiment, ne serait-ce que par le design, faire quelque chose de vraiment festif pour casser leur côté un peu sobre tout au long de l'année. Je suis quand même contente de tous les produits que j'ai reçus. J'ai vraiment hâte de les tester. Je pense qu'il n'y a aucun produit que je vais donner à ma mère et mes sœurs. Égoïstement, je vais garder tous les produits, les tester et bien évidemment, je vous ferai des retours ci et là quand j'en aurai terminé. Mais est-ce que je vous le conseille? Oui, si vous apportez pas beaucoup d'importance au design et que vous avez envie d'avoir des produits de bonne qualité et qui marchent. Maintenant, si vous pouvez trouver un coupon de réduction, utilisez-le, parce que pour moi, en valeur de produit, ça vaut peut-être 100 €, mais en expérience calendrier de l'avant, ça les vaut pas. Voilà. Désolée Clinique si vous passez par là. J'adore vos produits vraiment, mais c'est un truc que j'aurais pu ouvrir en, je sais pas, en avril, et ça pourrait procurer la même sensation, quoi. Voilà. Désolée. En tout cas, j'espère que cette dernière vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé les calendriers de l'avant Clinique de l'année dernière, si vous voyez une grande différence entre celui de cette année et celui des années précédentes. Encore une fois, si vous décidez de prendre ce calendrier pour vous, revenez sous cette vidéo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Une fois que vous l'aurez totalement découvert. Et bah nous, on se retrouve très vite. Et non pas pour une nouvelle vidéo d'ouverture de calendrier, mais nous commençons d'ici quelques jours le calendrier de l'Avent ASMR. Et je